Voilà. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que je veux, moi. Parce que l'autre, en fait, j'ai envie de le faire, mais au final, là, je suis déjà saoulée du jeu en bout de 5 minutes. Donc, on le fera plus tard. Désolée pour ceux qui étaient contents de voir la notif, mais je m'en bats les steaks. Et je fais ce que j'ai envie. Voilà. Donc du coup, on va faire ce que celui-là. Mon petit Gio. Ça, j'aime trop en fait. Alors du coup, ça c'est la partie où je suis. Donc nouvelle partie. On va mettre sur. On va mettre sur cela. Si je veux y jouer, en fait, j'irai sur mon autre compte. Comme ça m'évitera de mélanger les saves. Alors, pilleur de tombe, ça c'est normal, je crois. Difficulté équilibrée. Ok, ça doit être facile. Et ça, c'est difficulté équilibrée. Pierre de tombe. Voilà! Parce qu'en fait, Hogwarts, j'aime bien. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine? Je veux vraiment mais au final, je me lasse très très vite. Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Je sais plus l'année, mais l'image est blanche. Sauf certains. Est blanche, attends. Les explorateurs qui cherchent la vérité, ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, tiens, c'est celui-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. Tiens, c'est ça. La cité perdue est dans ces montagnes. Et j'ai adoré celui-là parce que j'ai trouvé. Ça va pas être une partie de plaisir. Sans avoir vu celui-là, évidemment. Je juge sur les deux que j'ai vus. Que je me doute. Les ennemis, il y en a beaucoup. Tu devrais rester là. Par rapport au Shadow, où il n'y en a pas beaucoup. Ouais, compte là-dessus. Compte les outils sont tout petits. Pas si je fais avant là. Mais j'aime trop ces jeux. Il y est presque. Tu vas être contente d'être montée là. Attrape ma main. Merci. Il est magnifique. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Ben, c'est bien fait, la neige qui tombe de ses pics, c'est mauvais signe. Ah ouais, il est vraiment vraiment bien. Ah, attends. Est-ce que je peux agrandir les sous-titres? Sous-titres activés en couleur, français... Non, je peux pas. Ok. Ok, ok, ok. La piste mène au sommet de la montagne. Quand on y sera, ouais, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. Bon, pas de geste brusque, hein. Là, du coup, tu vois que je redébloque tous les contrôles vu que c'est PS5 là. Tu sais, c'est le moins bon si des trois. Cool, en fait, celui-là, je l'avais fait jusqu'à. Mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Je sais pas si tu te rappelles, dans un endroit, il y avait. Je crois que c'est sa belle-mère. Sa belle-mère qui parlait à un soldat et fallait monter sur une poutre et tout, un truc comme ça pour monter en haut. Elle était dans une arrière-cour, je crois, avec des poubelles ou des trucs comme ça. C'était moins une. Allez, ma choupette. Jonah, oh. Je suis là. Bouge pas, descends te chercher. Non. C'est trop dangereux! Je peux en
remonter toute seule. T'en es sûr? Bouge pas, je te dis. Mais c'est vrai que Definitive Edition, j'avais vraiment adoré. Shadow aussi, mais il est plus... comment dire? Shadow, il est plus... porté culture, j'ai l'impression, tu vois. Il va falloir Definitive, que saute. Ça bombarde. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, prends ma main. Youhou! Je te tiens. Chier là-bas. J'ai failli avoir une crise cardiaque. J'adore. Et je trouve dommage que sur console, on ne puisse pas avoir les anciens. Tu vois, ça m'aurait pu faire le tout premier. Et Lara sur DDD, je ne m'acquitte plus. Il va falloir qu'on passe. Je passe mon temps avec Lara Croft sur DDD. Non, mais si jamais il la mettait, mais après, je vois pas quel tueur mettre avec. On va trouver cette cité perdue. Je sais que c'est pas la plus fiable des infos. Si un jour le perso sort... Mais ce vieux guide a dit qu'il avait vu des ruines dans les montagnes. Ça va, mon petit cœur? Si je voulais cacher une ville entière, il coupe l'herbe, c'est la tondeuse. Comme celui-là pour le faire. Mais écoute, j'ai pas dit aux voisins d'arrêter de prendre sa pousse parce que tu veux dormir, hein. La tempête se rapproche. On n'a pas plus. Mais va dans la chaîne en avant, ça fera moins de bruit. On n'a pas besoin de plus. On est presque au sommet. Là, les gens l'entendent, c'est très fort. Va dans la chaîne en avant, Max. Tu t'es bien reposé là? Qu'est-ce que t'en penses? On touche au but, Jonah. J'en suis certaine. Vraiment, encore un petit effort et on y est. Sans vexer ma chérie, t'as une seule tête. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Tu veux pas dormir encore un peu? Elle est très encombrée et elle touche depuis 3 jours. Elle a eu une faim tout à l'heure. Ok. Il y a mis 5 jours d'antibiotiques. Elle a dormi tout ce matin. Là, elle vient dormir. À partir de là, il va falloir grimper. Attention aux morceaux de glace qui se détachent. Ouais, t'es prêt? Oh! Ouais, ok. Attends, je vais être le point après. Reste avec moi. Pas bouger là. Bouge pas. Le son. Merde. Ah, mes crottes. Il y a un truc qui s'emballe. Il n'y a pas de validation. Mais... C'est pas grave. C'est ta faute, ça. C'est mieux comme ça. En fait, tu m'entends mieux. Est-ce que j'ai trop baissé ou... Oh la vache! C'était moins une! Ouais? Voilà, attends. Option. Allez, soyons fous. Là, ça va? Est-ce que c'est bon comme ça? Elle est trop stylée, là. Hein. J'aime trop, trop, trop. Non. Jonah! Tiens bon! J'aime cramponner. Tu crois que tu peux sauter? Bien sûr que je peux! Bah oui, tu me prends pour qui? Non, attends, oh. C'est pas n'importe quoi, mais plus gros. Oh putain! Je crois que
crois que je vais pas pouvoir le faire. Bouge pas. J'ai fixé une corde pour toi là-haut. Ça marche. Je vais te donner un peu de mou. Ça va bien comme ça, mon cœur. Un petit peu de mou. Je t'ai dit, Rebecca, elle est très encombrée depuis 3-4 jours là et elle tourne pas mal. Je crois qu'elle a été au médecin ce matin. Et il l'a mis sous antibiotiques pendant 5 jours. Est-ce que tu m'entends? Oui. Elle a dormi tout attends, ce matin. Je vais te remonter. Elle a dormi là pendant 2 heures tout à l'heure. Là. Allez, balance-moi. Regarde là. Plus longtemps. Allez, Lara. Allez, saute. Ah, elle est très encombrée, ouais. Elle est très très enrhumée. Et elle, du souvent son handicap, en fait, dès qu'elle a un rhume ou autre, c'est vachement plus fort, tu vois. C'est amplifié. Attention, reste pas là. Et je oh, cours. Jonah, retourne au refuge. Ouais. Ouvre tes yeux, Lara. Je trouve ça trop stylé, en fait, de l'écrit, ça. Allez, vite, sur le côté. Dépêche-toi. J'ai des babines le moment temps. J'ai jamais pensé. Attends, j'arrive. La pire des cruautés qui nous sont infligées. Et la brutalité avec laquelle la vie se termine. Vieillissons, nous déclinons, nous mourrons. Et quelles traces laissons-nous derrière nous? Des os, de la poussière. Que devient notre âme? Est-ce qu'elle quitte notre corps pour continuer à exister? Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique. Mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais
Je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épient chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherche à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je... Anna, voilà, c'est ça la belle-mère. Anna. La belle-mère ou la sœur, je sais pas. Pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Foutaise. Tu as été suivie? Suivie? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non! Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Je suis en train de me goinfrer de Babybel alimental. J'adore trop ça. J'avoue que je fais des cours, j'achète ça, j'en bouge dans ma voiture et tout. Bon, à partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous le chef. Mais c'est trop bon le Babybel. J'adore le jaune et je sais pas si t'as déjà goûté le violet. Qui est à... au Mazdam, je crois. J'aime pas ça du tout. Ou au Gouda, je sais plus. C'est la milice locale. C'est mon petit plaisir de course. Vous leur avez pas dit où on allait? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ah! T'as loupé ta vie, mon jeu. Sortez-nous de là! Merde! Attends. Oh non, non, non! Viens monter, tu auras des Babybel de toutes les couleurs. Alors, Babybel. Oh, marche. Je
dans mon magasin, j'ai les rouges, j'ai des jaunes, j'ai des violets. C'est vachement bon. Je te prendrai une photo la prochaine fois que je ferai mes courses. Je vais échapper à toi. C'est là. Je vais mon tour. Attends, je m'enfile le dernier là. Trop beau. Il semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète. Et toi, c'est quoi ton petit plaisir, mon petit vieux? Une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Oh. Elle est trop stylée, Lara. J'aime trop. Ton cul. Est-ce qu'il est l'ouverture? Je le savais bien. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Je crois que le définitive édition pour PS4, je sais pas combien je suis, mais je l'avais bien avancé. Moi, c'est des goûts du moment. Non, je mange que des burgers maison. Ah, c'est bon ça aussi. Je crois qu'il y a une... comment ça s'appelle? Gravure, voilà. C'est bon les burgers maison. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Par contre, en live, je ferai tous les... Je ferai l'histoire, hein. Tout ce qui est trésor, relique et compagnie. Je le ferai moi. Oh, si voilà. Papa avait raison. Faut qu'on reprenne l'Assassin's Creed d'origine aussi. Alors, explorer la salle. Bonjour. Ok, c'est lui là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Il y en a 5, je crois. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. J'ai adoré, je crois que c'est dans Shadow aussi, où tu joues Lara enfant. Toujours aucun signe. Dans le manoir. Hein. Ok, très bon. Au standard, vous rentrez dans ce tombeau avant la nuit. Ils cherchent le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. C'est le prophète, en pourparlers avec une armée. Ouais, je crois, ouais. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Bon, non, non. Mon grec est encore un peu rouillé, mais ça indique quelque chose de caché. Près de la trouve tellement belle. C'est... Je vais noter les emplacements. C'est parfait. Alors attends, où c'est que c'est? Non, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est là. Une porte secrète. Par contre, les films Tomb Raider, j'aime pas. Et quand j'ai une Jolie et les autres, là, j'aime pas du tout. C'est tellement cliché et culture. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. Hein? Attendez. Ah, mais ouais, c'est clair. Non, c'est bon, je suis bien sur Tomb Raider, là. Parce que je vois sur mon téléphone, je suis toujours sur... Sur Hogwarts.
Et bienvenue aux 5 personnes, ça vous allez bien. Bon, on fera les tombeaux et tout ça plus tard. Coucou mon malot, tu vas bien? Comment tu vas? Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. J'aime tellement son look à elle, elle est magnifique. Bon, elle est plus belle quand on se fait pas cracher au sol, mais... C'est cool si ça va, mon petit malo. Ouais. Parce que celui-là, c'est le seul que je n'ai jamais fini sur YouTube, en fait. Oh, il y a un Babybel rescapé qui était par terre. Oh, viens dans mon ventre. Je vais retrouver tes copains. Et donc, du coup, bah, comme là, je le fais en off, je me suis dit que c'est plus simple. Ah, aussi de le faire avec vous. Et vous, ça va? Votre après-midi se passe bien? Votre journée, tout ça, tout ça. Allez, ma grosse. Oui. Les membres de l'ordre de la tribu. Elle a la coigne dure. Et son peuple sans relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans le roi. J'adore ça, ce jeu. Un passage. C'est vrai que celui-là, je l'ai jamais fini par rapport à... aux autres. Et vraiment, on aura plaisir de le reprendre. En fait, Malo, j'avais lancé Hogwarts Legacy parce que j'avais envie de le refaire. Allez, quoi. Mais dans la première cinématique, ça m'a fait chier. J'ai eu envie de faire Lara Croft et du coup, j'ai changé. Donc, on va voir qu'on le fera, mais certainement plus tard. Et moi, je vais me forcer à continuer un jeu juste parce que je l'ai lancé. Donc. Ça se sent que je mets de la mauvaise volonté et c'est chiant. Bonjour. Le tamba du prince. Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en armes contre des pèlerins croyants. L'ordre de la Trinité. Le prophète exécuté par les membres de l'ordre de la Trinité. Et vous, vous faites quoi comme jeu en ce moment? Mon fils, l'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leur prophète, mais il semblerait qu'il soit encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué? Oh, bon courage, mon petit jeu. Tu reprends à quelle heure? J'étais presque. Là, j'aurais dû reprendre depuis 3 minutes. Ah, t'es en télétravail. Et bon courage, mon petit Gio. Il y a des trucs là en l'air. Ce mur a l'air friable.
que j'aime bien, c'est que quand on met l'instinct de survie, en fait, on a des indices. Mais bon courage, mon petit Lucio, vraiment. Et j'espère que toi, ça va. N'hésite pas à me dire sur Insta si ça va pas ou autre, comme d'hab. Même si ça va bien. Que tu ailles bien, que tu ailles pas bien, je suis là, hein. Tu le sais bien. Youhou! Je suis pas là que tu me dis quand ça va, que quand ça va pas. Hein. Plein de bisous! Bon courage à toi. Ça va te crever là. Bah ouais, tant mieux. Bisous tech. Bisous bisous. Incroyable. On a réussi, papa. Il y a le mur friable là-bas. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps en plus. Il y a des trucs... Voilà ça. Il y en a 5 un peu partout. 5 ou 7. Okay. Il faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être. Allez, on va péter le mur. Et toi, mon petit Malo, ça va? Tu passes un bon après-midi? Un matin, parce que je suis arrivée. Même si ça je le ferai après en off ou autre, comme ça si j'arrive à en voir. Maître, ce que vous dites est impossible. Si vous voulez lire à l'arrêt, vous faites pause, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'habitude.
peindre. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Il en reste 3. Faut faire monter le niveau de l'eau. J'aime trop. Je sais plus si je peux revenir là après. Je peux pas voir ma carte. Okay. Enfin. Il est vide. Hop. Là, il est en bas. Posez les explosifs. J'adore ces jeux. Après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact.
Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Ne dépêche pas surtout, hein. Oups. Eh ben, elle s'est trop dépêchée du coup. D'habitude, je rate jamais. Je rate jamais ici. Oh, tu rates. Vite, vite. Mais je rate jamais là. Oh, c'est nul. Je suis nul. Mais bon, Lara, t'en es pas. C'est bon. Vous faites une pierre au dernier moment. Oh, j'en ai marre. Vite, vite. Que tout le monde qui va nous. Bon, Lara. Vas-y, saute, là. Mais elle s'arrête pas. Coucou, Ziris, comment tu vas? Bienvenue à toi, tu vas bien? Eh, j'ai jamais raté ça. Je sais pas pourquoi, là, elle veut pas sauter. Vite, vite. Tu vas bien? Oh, j'ai l'air sans galérer, ça va, mais j'ai jamais raté ici et là, là elle rate, je sais pas pourquoi. J'adore cette image en fait quand le torrent arrive. Bah oui, ça va nickel, j'adore ce jeu, tu connais ce jeu toi? C'est un de mes jeux préférés, j'ai fait Definitive Edition, j'ai fait Shadow of Tomb Raider. Et celui-là, c'est celui que je n'avais jamais fini, donc du coup, je le recommence pour le finir, évidemment. Mais j'adore trop. Les Tomb Raider, je les... Ah, ils sont trop bien. Après, moi, je suis sur PS5, donc j'ai pas les tout premiers. Mais franchement, j'adore. De très très bons jeux. Jonah! Lara! J'ai tellement de choses à te raconter! T'as trouvé le tombeau du prophète? Oui,
Mais j'ai été suivi. Mais par qui? Ils se font appeler les Trinitaires. Il y en a un. Il y en a un que tu préfères sur les trois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu commences à me faire peur. Quel est ton jeu préféré de tous les Tomb Raider? Mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père. C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Pardon. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là. Écoute. Moi, perso, mon préféré pour le moment, j'ai pas fini celui-là, donc je dis pour le moment, c'est le Definitive Edition. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Ouais. Quel rapport avec l'artefact du prophète? Je trouve que le Definitive Edition, par rapport déjà à Shadow et le peu que j'ai vu de celui-là, il y a plus de combats, il y a plus d'ennemis, c'est plus rythmé en fait. Shadow, c'est plus dans la culture ou autre, des choses comme ça. Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. Dans Definitive Edition, il y en a des gens à dégoûter. La souffrance, la mort, ouais, ils sont tous bien. Non mais est-ce que tu t'entends parler? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je réfléchis que tu, mais je crois qu'il faut pas mal de savoir. Je crois que j'avais mis toutes les redites de Shadow et de l'autre. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Mais Marc, quitte à faire celui-là, j'aurais dû peut-être faire tout le trio, en fait. J'aurais dû faire le trio. N'importe quoi. Si Definitive Edition, celui-là, il est pas. Je te rendrais peut-être compte. Ouais, j'ai plus fan de Uncharted. Ouais, Uncharted, j'avais commencé un tout petit peu, mais... Et pas plus que ça. Mais il faudrait que je le fasse, parce que je l'ai aussi, donc... Mais c'est vrai que c'est un... J'avais bien aimé, en fait. Il me faisait également penser à Lara Croft et tout, avec... il faut grimper et compagnie, là. Quel autre style de jeu hormis celui-là? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, en Sibérie, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Celui-là, j'étais jusqu'à ce que Anna elle parle, je crois, avec un soldat ou un capitaine ou je sais plus quoi. Et dans mes souvenirs, en fait. On les écoutait d'en bas, il fallait monter en hauteur sur une poutre, je crois. C'est vers la moitié, je crois, que j'ai fait. Je joue beaucoup tous ceux qui sont ouais, c'est des bons jeux, c'est cool. C'est vraiment bien. Il y a tellement de jeux, plein d'univers différents qui peuvent contenter vraiment tout le monde. N'essaie pas de me retrouver. Ça va, Milady. Je regarde le lapin et je vois qu'il dort, le menton appuyé sur sa, sur son petit épi de maïs, là, puis il me regarde. Là, avant de me prendre de Island 2, je me... Ouais, on me l'a conseillé, Island 2, on me l'a vraiment conseillé. Et je pense que je le prendrai aussi. Hein. Je dois avoir le 1, je crois, dans ma bibliothèque, d'ailleurs. Mais je ferai déjà le 1, voir si ça me plaît vraiment, parce que je pense que ça doit être similaire.
Je dois continuer. Et après, parce que bon, je vais pas mettre. Je vais prendre un balle dans mon jeu si ça me plaît pas. Tu peux y arriver. Allez, ma grosse, avance. Bouge-toi. Oh bah tu peux zoomer, on voit rien. Ok, super. Faut que je passe du feu. Ah ouh, il y a des loups. Après, tout dépend si tu aimes. Ça devrait le faire. Ouais, ça va, j'ai massé, ouais. Pas suffisant. Pour toute la nuit. Il m'en faut plus. C'est assez rigolo de temps en temps, ouais. C'est assez bien. Pour brûler. Oh, enfin, pardon. C'est récent. Pas de quoi manger. Ouais, c'est rien, c'est que des loups. Mais voilà un campement. Mais dans mes souvenirs, il fallait prendre la toile, là. Faire le feu. T'arrêtes pas de bouger. Du bois et la toile. Sinon, moi j'aime bien tous les styles d'horreur. Alien Isolation qui est l'un de mes jeux préférés. En fait, mes jeux préférés c'est Alien Isolation, les Tomb Raider, les Resident Evil. Ah bah tu vois, j'ai lu ta question après. J'aime bien DBD aussi. Nos hommes passent les ruines des montagnes au peintre. Après, préféré. On le trouvera. Avec Resident Evil, je l'ai découvert assez sur le tas, j'ai commencé avec le 7. J'ai vraiment aimé. Après, j'ai fait le 2, je crois. J'ai fait le 0, faut que je fasse le 1, j'ai fait le 3, j'ai fait le... Bah, le 4, je le découvre actuellement. Que j'ai jamais pu le faire avec leur putain de caméra de merde, là. Donc, je suis en train de découvrir le 4 que j'ai quasi fini, j'adore. 100% découverte, j'ai jamais rien vu dessus, ni fait... Le 5, j'ai commencé avec un ami, mais franchement, c'est nul. Plus solide. J'aime pas. J'adore le 6, j'adore le 7, j'adore si le 8. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit dans les yeux. Hop. Elle veut me détruire. Elle veut que je m'allonge et que j'abandonne. Mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Cet endroit... Ah, merde. Tu recommences à parler ou pas? Non? Oh, dommage. La chatte. Ok. Alors, il est où? Il est où le cerf? Ma licence préférée, c'est Resident Evil, Dead Space, Outlast. Ah, Outlast, j'adore. Mais le Outlast 2, en fait, c'est celui qui me fout le plus à mal. C'est... De toute façon, il finira par être fait un jour, mais... Bon, tu... Voilà. Mais Outlast 2, il me fout dans un... Dans une oppression vraiment pas bien, quoi.
Mais Outlast 1, je l'ai fait plusieurs fois. Hé, tu cavales, hein? Putain, viens là. Oh, je suis nul, je tire à côté. Voilà. Voyez. Coucou, mon petit Nico, tu vas bien? La tête, non, mais oh, je vais t'apprendre. Bah oui, je tire complètement à côté, je suis tellement nul. Alors, après, il faut retourner au camp, là. Exploser la forêt pour trouver des traces de la cité perdue. C'est cool, Nico, si tu vas bien. Ah oui, on va voir Nounours. On va voir les petits Nounours. Ça va tranquillement. Il faut que je trouve des champignons. Oups, attends. T'es en train de dire oh. Ah oui, c'est vrai, là, faut... Aïe, 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 aïe. Je lis après. Mais... Ah oui, faut pas que sur la... Je crois qu'il faut que je reste sur le truc où ça glisse en fait. Ou alors je me casse la gueule et j'avance, mais je suis... Mais eux... Je joue beaucoup d'Assassin's Creed, mais en fait Assassin's Creed j'ai commencé par Origine et j'aime vraiment bien. Il est super sympa et tout. Je connaissais pas, enfin je connais la licence. Mais cours bordel, oh. Ouais, il veut me craquer. Et franchement j'aime beaucoup. Je le pensais pas comme ça ce jeu. Et en fait j'adore tout ce qui est même Hitman. Je sais pas si tu aimes bien Hitman. Ah ben voilà. Allez. J'adore Hitman en fait. J'adore les jeux où il faut se cacher, où il faut... Dégage. Il faut se cacher, être discret, tout ça. Origine et Blazer. Ouais. Faut que je le reprenne d'ailleurs. Il est trop trop bien. Franchement, j'aime bien. Moi qui adore buter des gens. Tu fais quoi de beau, mon petit Nico? Ça, c'est dans Shadow, je crois. On joue dans le manoir. Toujours pas décidé à entrer par la porte. Hein. Je crois que c'est dans Mais Shadow. Ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Valhalla, je l'ai jamais fait, je l'aime et je l'ai jamais fait. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. J'avais commencé aussi à l'époque, tu sais, la trilogie des dieux là. Ça m'avait saoulé en fait, parce que la cour sur les toits, j'arrêtais, j'arrivais pas. Je me suis dit, c'est bon, ça me fait chier, je vais être tombé. Le monde de ton empreinte, je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Ah, tu as fini le jeu de loi? Parce qu'une fois que tu as fini ce qu'ils disent, en fait, tu as d'autres petites... Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est un mode viking, une tueuse. Ouais, faudrait que j'essaye. J'adore buter les gens. Faut que je pense cette blessure. Les gens, ça les fait rire quand je joue à Hitman, parce qu'il y a toujours... Innocent, tu es innocent, tu es innocent, tu es... Ah, bah écoute, hein, au moins, ça gêne plus, hein. Oh... Il faut de quoi faire un bandage. Les installations datant de la guerre froide. Qu'est-ce que c'est le complexe?
qui me lançait déjà la série Viking, laisse tomber. J'ai jamais vu la série Viking aussi. Mais franchement, les jeux, ils sont magnifiques. Encore des ruines mongoles. C'est pas mon téléphone qui sonne. Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. J'arrive. Non, c'est bon. Je pensais que c'était mon fixe, mais non. Tu peux te rendormir, Milady. Y'a rien. Milady, si... Milady, si tu viens souvent... C'est elle. Attends, elle est où? Milady... C'est elle. J'ai fait une émote d'une vraie photo du lapin. Je vais te faire regarder la série. Ben, je jetterai un œil. Je regarderai. C'est sur Netflix, ça, je crois. Parce qu'on va pas être potes. Ces champignons, ce sont des amanites tumouches. Parfait pour faire du poison. Oh, je te promets que je regarderai au moins un épisode. Parce qu'après, si ça me plaît pas, je vais pas me farcir une série complète, c'est sûr. Mais le premier épisode, promis, je le regarderai. Bien. Oh. Ok. Faut pas regarder qu'un épisode, faut au moins mater la saison 1 pour se faire un avis. On verra. Il y a combien d'épisodes dans la saison 1? Ah bah, s'il y a 5-6 épisodes, ça va, c'est supportable. Je vais pas mourir. Les combats sont épiques de ouf, surtout si tu aimes bien tous ceux qui sont sanglants. J'adore les films, les trucs d'horreur, les jeux, les films d'horreur et tout. Donc. J'aime bien. Attends, c'est qu'il faut que j'aille. Ah oui, préparé pour l'ours. C'est vrai. Ah. Ah, j'ai plus de quoi faire des flèches. 9 épisodes. Oh, bah ça va. Ça va. Non, là, je peux pas, je crois. Ah, si. Je regarderai les 9 épisodes. Je ferai un effort. Mais avant, j'avais quelqu'un... je connaissais quelqu'un. Enfin, maintenant, on n'est plus en contact. Et ça me va très bien, d'ailleurs, mais... Mais qui voulait que je regarde toute une série, même si j'aime pas, juste pour lui faire plaisir en fait. Genre, je me tapais 150 épisodes, alors je déteste ce truc. C'est ça, oui, t'as raison. Si tu veux, on se les regardera ensemble. Attendez, je reviens. Je vais voir si ma fille elle s'est rendormie ou pas. J'arrive.
Elle dort pas, mais elle a encore bépalote. Attends, je peux pas encore les faire. Alors attends, c'est où? Je suis tombée là-dedans. Ok. Tu crois que t'es revêtue avec l'ordi, surtout avec Oda, il est épique. Ben je regarderai la première saison. Oh, c'est vrai, j'ai plus de flèches, oh putain. Merci Osiris pour le follow, merci beaucoup, ça fait plaisir. Mais faudrait que je la regarde la série. C'est vrai qu'à une époque je voulais la voir en plus. Mais je me suis jamais donné l'occasion de la voir en fait. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors une question, God of War, tu en penses quoi? Alors je t'avoue que je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas encore fait, faut que je le fasse. Parce que voilà, faut que je le fasse. Mais franchement, si je l'ai commencé le 1, mais je sais pas. En fait, moi, mon problème, c'est que j'en commence trop. Et je finis rien. Pour ça que dans ma bio, il y a streameuse passoire. Parce que passoire, en fait, mon contenu, c'est comme une passoire, il y a plein de trous. J'ai commencé le premier, mais j'ai vraiment pas fini en fait. J'ai pas beaucoup avancé non plus. Mais là, cette année, on va finir tout ce qui est commencé sur YouTube parce que. Voilà, donc si jamais tu te demandais pourquoi le mot passoire, voilà. Ok, ça on peut pas pour le moment. Tu sais qu'il y a des champignons près de l'ours. Et bravo mon petit Nico pour le level. Merci de votre présence qui fait plaisir. Merci de votre soutien depuis presque 4 ans. Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Ce sera 4 ans le 19 août. Le 19 juillet, 4 ans sur YouTube et 19 août, 4 ans sur Twitch. Ça passe mine de rien. Ces mots ressemblent à du mongol. J'en suis un, t'inquiète, les identités vivantes, je l'ai fini il y a 4 mois environ. Ouais, c'est trop bien, Resident Evil 8. Celui que j'ai fait le plus, c'est le 7. J'ai dû le faire pas loin d'une centaine de fois. J'aime trop. Ok. Ben là, tu vois, j'adore le 4, en fait. Et ça me fait hyper plaisir de le découvrir. Beaucoup me disaient, mais ne le fais pas en live, tu vas te faire spoil, blablabla. Il y en a qui adorent raconter le jeu et tout. Je dis, oui, ben... Moi, il y en a qui peuvent essayer, mais ils vont se faire recevoir très vite, en fait. Parce que, bon... Quand on est intelligent, on doute qu'un streamer ne fait pas un jeu en live pour qu'on lui dise « Fais ci, fais ça, ici t'as ci, ici t'as ça. » Le 7, aïe aïe. Ils ont petit kiff, en plus je l'avais... Ouais, oh, on me l'a beaucoup conseillé en VR. Mais tu vois, j'ai peur d'acheter un truc VR et qu'au final je supporte pas et d'avoir claqué 300 balles pour passer pour le bordel quoi. Mais ça, c'est un achat que je ferai dans le futur, je pense. Un casque vert. Ah, oh, tu peux pas monter.
Y'a pas de... je vais faire prends la version 2 du VR. Je peux pas faire rond, ça fonctionne pas pour sortir du bidule là. Ah, c'est bloqué. Bon bah alors attends, peut-être qu'en faisant un truc ça va. Les champignons, il manque des champignons. Okay. Ah voilà. Faut que je me repose. Je suis gelée. C'était bloqué. Épuisée. Non, de toute façon, je sais que si je vais apprendre les VR, je prendrai le plus important. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation ? Comme ça, au moins. Ne vous avisez pas de me menacer. Après tout ce que j'ai fait pour. Allô ? Allô ? Mon VR, ça doit être immonde, Régulette. Tu me fais peur, papa. T'imagines Alien Isolation en VR? À deux doigts d'une découverte capitale. Je sais pas si tu l'as fait, Alien. Alien, je l'ai fait en normal. Mais je m'en fiche, moi, cauchemar. J'ai juste envie que tout ça s'arrête. Enfin, normal, hard et cauchemar. Oh. Et c'est immonde, le cauchemar. Tu peux te faire que des soins. C'est horrible. J'espère que tu es pas calme. Non, pas que je sèche. Allez, on les tient. T'arrêtes pas, cours. Ouais. Mais ça doit être trop bien. En fait, tu redécouvres le jeu, je pense. On va mourir. Je suis en haut. À toutes les équipes au rapport. Où est-ce que vous en êtes? À vous. On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Commandement. On se déploie pour retrouver la piste. Tu vois, je me rappelais plus aussi quand je l'ai recommencé le jeu. C'est, je me rappelais plus en fait que ça coupitait que quand il y avait des ennemis en fait. Attends. Bah à un moment t'as Mia qui arrive et qui se met derrière toi. C'était un truc de ouf. Ah ouais. Mais j'aime trop en fait. Même sans parler de VR, on survit Resident Evil 7. Oh, mais quelle horreur! Les premières scènes, là, Mia avec sa tronçonneuse dans le grenier et l'autre, là, avec la clé de la trappe, là. Oh mon Dieu, c'est immonde! C'est le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient. Allez.
juste après ça, j'ai testé un jeu. Tu es dans une cage et tu es dans l'océan. Il y a un requin qui arrive. Ah ouais? Ah, ça doit être hyper bien comme jeu. Ça doit être sympa. Ah, ça doit être sympa à tester comme jeu. Merde. Ah, tu t'es accroupi. Où es-tu? Ok, là-bas. Ouais. Je sais, j'en avais testé un avec un requin, c'était complètement fada là. Tu deviens un requin, c'est MacMaker ou un truc comme ça. Je sais plus trop le nom. Ridicule le truc. Quand ils sont jaunes, ils sont isolés des autres, mais alors quand ils sont rouges... T'es où? Ah, t'es là. Au moins, c'est un repère, en fait. Quand elle s'accroupit, c'est qu'il y a des gens. C'est bien. Ok, là, il y a quelqu'un là-haut. Des années durant, j'ai chevauché. Comme d'hab, hein, vous voulez lire, vous faites pause à la rue, hein, évidemment. Comme d'habitude. Des fois c'est chiant la caméra, tu peux pas aller où tu veux parce que ça bloque. À toutes les équipes, ouvrez bien l'œil. Les natifs ont posé des pièges dans les bois. Oh, promenons-nous dans les bois. Prends la radio et essaie de joindre le complexe. Dans leur dernière transmission, ils ont dit qu'ils étaient attaqués, mais depuis... En tout cas, encore une fois, bienvenue aux Iris et merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir. Après ça, ils ont tout fait pour qu'on se déploie. C'était une embuscade. Ils voulaient qu'on s'éloigne du complexe. L'équipe d'Urko avait tout faux. Ils sont pas des paysans. Ouais, c'est une tactique de guérilla. Ils sont directs à les bousiller nos transmissions dès qu'ils ont su qu'on était là. Merde. Il va nous falloir des protocoles de contrôle. Attention ! Tais-toi ! C'est vous, monsieur. Merci. On se prépare.
T'inquiète. Ok, nounours est là-bas. Il est là. Putain, je pouvais pas m'accroupir, c'est vrai, putain, c'est sûr. J'aime bien pouvoir décider quand je m'accroupis ou pas. Où es-tu? Un homme à terre. Dispersion. Allez. Bah, je crois qu'il y a que toi, mon gars. Ah non, vous êtes deux. Position défensive. Ouh. Regardez dans les buissons. Ah non, hein. T'as pas le droit. Restez sur vos gardes. Attention, c'est là. La liaison n'a pas encore été rétablie. Attendez-vous à des interférences dans les transmissions. Oh, super. L'équipe de recherche n'a toujours pas été localisée. Ça reste notre objectif principal. Ouvrez bien l'œil. Eh bien, elle les cache en plus. Il y a longtemps que j'ai pas fait des streams des BD aussi. J'arrête pas de le répéter, faut que je reprenne Fortnite. Mais... ces mots ressemblent à du mongol. Mais ce qu'ils disent reste un mystère. Lara doit atteindre le niveau de compétence 1 en décryptage. Ok. On va aller tuer une nounours. Je sais plus où c'est qu'on l'a le lance-grappin, mais c'est. Après pour revenir là, oh, c'est chiant. Tais-toi. Un peu serré pour se battre. Mieux vaut la tirer dehors. Mais pourquoi tu tires? Oh. Ça devrait ralentir. Quelle est bête. On a gaspillé une standouille. Ah, elle est bête, hein. Allez, cours plus vite. Putain, elle court pas. Accélère un peu. Voilà. La carpette vient à mes pieds.
Salut. Nounours. Bon, je rappelle, hein, je suis l'histoire, le Trevor et compagnie, là, je les ferai de mon côté. Les reliques et tout ça. Avec vous, je ferai les tombeaux aussi. Comment encore plus vite déjà? Okay. Bah, je peux pas le prendre. J'ai appris tout ce... On s'en fout. Piolet. Je crois que c'est dans le complexe soviétique que c'est le piolet semi-automatique. Ah bah non, c'est là. J'aime trop ce jeu. Le visuel et tout, c'est... franchement j'adore. J'aime trop. Après, comme je vous ai dit, ça sera pas un long live parce que vu que Rebecca elle est elle est un peu malade. On va aller attendre le... On va aller faire le tombeau. Merde. C'est beau. Ça va être froid. Mais non, mais non. Je sais qu'il y a un truc à gauche, mais... Coucou Blood, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, c'est clair, il y a longtemps que j'ai pas passé je suis pas passé sur le live là-bas. Tu vas bien? Ouais, ça va super. Alors attends, c'est comme ça. C'est plaisir de te voir. Ouais, il y a longtemps que je suis pas passé le voir, hein, c'est vrai. J'avoue. Ah, il y a un moment que j'aime bien aussi, Osiris, qui était toujours là. Je sais plus dans lesquels c'est, je crois que c'est Shadow. Enfin, j'aime bien, hein, autant... Tout est relatif, hein, mais... Mais tu sais, c'est... T'as deux grandes roues à activer, deux roues à haut, là. J'ai fait... Je connais pas du tout ce jeu. J'ai vu plusieurs le faire, mais je connais pas du tout. Tu sais, t'as deux grandes roues à eau à activer et t'as plein d'espèces de zombies ou je sais pas quoi. Ça va, ma belle? Il fait dodo. Et toi, comment tu vas? Mais ça se voit que t'es pas bien. Va te reposer, ma belle. Je crois que c'est dans Shadow. Je connais pas du tout ce jeu. Mais oui, je sais bien, t'inquiète pas. Et je reviendrai avec plaisir, t'inquiète pas. Oula. Oh, je me suis dit putain, elle va tomber. Alors ça, c'est les défis tombeaux. Une dernière de guerre byzantine. T'inquiète comment pas. Est-elle arrivée là? Tu joues à quoi, beau? Je crois que c'est dans Shadow. Où il faut plonger pour enlever les trucs. Je sais plus. Hein. En ce moment, c'est R4 justement. Mmh. Ah ben, R4, il y a longtemps que je l'ai pas, je l'ai fait. Ah merde. Je dois pas. Faut que je le termine, pardon. Oh putain, je dis n'importe quoi.
la défi tombeau, il est là. Je suis au... quasi à la fin. Dead Island, bah c'est cool, amuse-toi bien. Défi tombeau. Il doit y avoir quelque chose facile. Là-haut. Très facile à faire, lui. Faudrait que je passe. Si stream ce soir, je passerai lui faire un petit coucou. Quelle heure attends, c'est où déjà? C'est ici. Non, pas là. Là. La menace est aventurée, c'est un jeu où tu regardes avec des cassettes une sorte de dessin animé, mais version très très. Ah! Je connais pas du tout. Je connais vraiment pas du tout. Okay. Oui. Oula, je vais me faire gueuler. Ben c'est cool. Grâce aux cassettes, tu as des énigmes de 5 ans. Ah ben c'est cool, j'espère qu'il s'éclate. En tout cas, c'est cool qu'il a fini l'autre jeu. Merci Blé pour le follow, t'es adorable. J'espère que tu vas bien toi aussi en tout cas. Il faut que je saute dessus. Il faut que je saute dessus, ça va tout casser. Yeah. Il faut que je revienne vite, je saute dessus. Au pire, on meurt. Non, ça va. J'étais pas loin. Bah là, il a mis en pause ce jeu, donc il est... Ah, bah c'est cool. Si je stream pas ce soir, je passerai le voir. Parce qu'il faut... Oh, bonjour. Je le finisse aussi. En haut. Non, oh putain, je fais n'importe quoi. C'est là. Parce que je sais que le seul spoil que je peux lui dire, c'est qu'il y a 16 chapitres et moi je suis au niveau au grand, je suis au 15e, au 15 sur 16. Donc du coup, peut-être que je continuerai ce soir, mais si jamais je ben, si je stream pas, je passerai le voir. Ouais. Ouais, il est long. Allez Lara, dépêche-toi, saute sur le truc. Ok, nickel. On va pouvoir c'est grimper. Bon. Super. Allons voir ce qu'il y a là-haut. Évidemment. Mais franchement, le jeu, il est hyper bien. Je crois qu'il m'avait dit qu'il avait fait l'original, je crois. Il me semble. Mais moi, qui l'ai jamais fait, jamais vu, franchement, c'est un plaisir de découvrir. Il est trop, trop bien. Là. Il est champignon. C'est vrai qu'il est long. Pourquoi transportait-il toutes ces chaises avec eux? Et toi, ça va, ma petite Blood? Car, sauf si je me trompe, il me semble qu'il avait parlé de toi au féminin, donc je pense que tu es une fille. Si je me trompe, je suis désolée. Ok, là, c'est bon, je suis pleine. Moi super, moi je fais toujours un coup. Ah bah c'est cool. Et je suis bien. Bah c'est cool. On sait jamais.
Ce codex détaille les techniques d'archerie des ennemis de l'Empire byzantin. Tu vois, moi, mon pseudo, c'est Céliac, mais beaucoup croient que je m'appelle Célia, mais je m'appelle Céline. En fait, tu vois, pour t'expliquer mon pseudo, c'est que longtemps, je me suis appelée Céliaca. Célie, Céline, moi. Aka pour Rebecca, ma fille. Et j'ai eu envie de changer un peu, donc j'ai enlevé le dernier A. Ce qui est devenu Céliac au lieu de... Voilà. Ça reste un petit pseudo d'amour pour ma puce. Mais oui. Hop là. Mon œil a lu la carotte de sable, n'importe quoi. Qui met la carotte? J'aime tellement ce jeu. Mais après, j'ai pas stream trop longtemps parce que comme Rebecca, je suis en arrière là. Comme Rebecca, elle est malade et tout. Je peux pas m'isoler trop longtemps dans un casque, avec un casque et tout. Ça, si jamais elle a besoin de moi. On va crever! Donc tout ça, je le ramasserai en off. Tout ce qui est relique et tout ça. Et la lumière fuit. Oui, voilà, tu vois, ça fait 3-4 jours, elle tousse pas mal, elle est bien encombrée. Je ne suis pas ton ennemi. Elle a eu médecin spontané, il lui a pris des antibiotiques pendant 5 jours. Là. C'est toi qui as tué ces hommes. Ah oui, puis ce matin, elle arrête pas de dormir. Elle ne m'ont pas laissé le choix. Tu connais ce genre de dilemme. J'ai fini Bouddha 30, 40, et là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Je connais pas du tout les jeux, mais c'est cool. Si c'est une bonne performance, tant mieux, c'est cool, bravo. Tu devrais quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas partir. Quand je vois là le perso roux là, je me dis pour que je vous reprenne aussi à Plekton Innocence pour faire à Plekton Weekend après avec vous. Je te plante cette flèche dans la gorge. Toi et moi, j'ai tellement de choses à faire avec vous. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Je vous dis, le streamer passoire, ça me correspond très bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi le passoire dans ma bio blue? C'est parce que. Parce que je fais beaucoup de jeux, j'en commence beaucoup, mais j'en finis aucun. Comme une passoire, il y a plein de trous. Donc j'ai trouvé que le terme me correspondait très bien. C'est une streameuse passoire. Il y a donc des gens qui vivent ici. Ils sont installés. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker mes réseaux si vous le souhaitez. Ils vivent en autarcie depuis des décennies, voire des siècles. Je répète tout ce que je fais ici, je le mets sur un. Voilà. Pas détonné à l'époque de l'Empire byzantin. C'est original. Se peut-il qu'ils soient des descendants du peuple du prophète? Que savent-ils au sujet de la cité perdue et de la source divine? 3. Ok. Il est clair que les Trinitaires ne reculeront devant rien pour le découvrir. J'ai peur qu'ils courent un grand danger, qui qu'ils soient. Espérons qu'ici aussi, l'ennemi de mon ennemi soit mon ami. Les attaques armées au corps à corps des ennemis vous infligent moins de dégâts. Ok, on va mettre ça. Recyclage des flèches, ouais, c'est assez bien. Comme ça, je mets un truc par chaque. On fait fabriquer des projectiles et munitions plus rapidement.
Voilà. Comme ça, c'est un par truc. On a le choix avec toi, mais tant mieux. Je demande toujours en fait sur Discord ce que les gens veulent voir ou autre. Bon, Lara, je vais te changer, toi. Attends. Est-ce que je peux te changer ou pas? C'est dans armes, je crois. Ah ouais, c'est là, la tenue. Tu vois, j'ai plein de tenues sur elle. Équipé. Ah merde, c'est celle que j'ai, je suis conne. Je me disais, ça marche pas. Et celle-là. Et tu vois, chaque tenue, en fait, a une compétence précise. Celle-là, par exemple, augmente la capacité de transport des munitions spéciales. Vous pouvez parfois tirer des balles cartouches tant que votre stock de munitions diminue. Oh, c'est bien ça. Nickel. Réduit le temps d'attaque. Oh. Réduit le temps. Je suis à 2-3 mètres de la télé, donc c'est écrit tout petit. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de Diamond Painting, mais je joue à des jeux aussi à côté. Bah, c'est cool. Tu vois, moi, j'adore Tomb Raider. J'adore Hitman. DBD, Minecraft, Alien Isolation, c'est l'un de mes jeux préférés. Je peux aussi jouer à Fall Guys, je peux faire du Minecraft, Fortnite de temps en temps. Faut que je le reprenne d'ailleurs. J'ai fait aussi du Dragon Quest Builder 2, il faut que je fasse le 1. Je suis un peu tout azimut, mais tout est trouvé. Non, il y en a quelques... Il y en a qui sont finis quand même. Mais... Ils sont pas tous troués quand même. Oh. Les animaux inoffensifs sont moins farouches. Ok. Ça c'est hideux. C'est moche. Réduit tous les dégâts. Je préfère tout finir avant de passer à autre chose. Mais c'est ce que je voudrais, mais... Moi, je me lasse très vite, en fait. Et j'ai pas envie de me faire... Tu vois, souvent, beaucoup, ils m'ont dit, il faut faire un planning. Mais... Faire un planning, c'est bien et pas bien. Parce que j'ai pas envie de me forcer à faire un jeu que j'aurais pas forcément envie de faire, juste parce que je l'ai écrit, en fait. Et sur un planning, en fait, tu peux décevoir... Si tu fais pas le jeu qui est écrit, tu peux décevoir ceux qui attendaient le jeu. Et... Tout ça aussi, c'est... Parce qu'un planning, il faut, entre guillemets, se forcer à faire ce que tu as écrit parce que les gens peuvent l'attendre. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que je veux quand j'ai envie. Et puis voilà. Réduit les dégâts de feu. Ok. J'aime bien celle-là. Vous pouvez parfois lancer... Non, attends, c'est celle-là. Vous avez une chance de récupérer une ressource d'animal exotique sur un animal quelconque. Ok. Oh, toi t'es moche. Dirk. Après, je comprends ceux qui font des plannings, mais ça correspond pas à mon truc, en fait. Ou le seul planning que je pourrais faire, c'est, tu vois, je marque sur Discord que dans la semaine, on essaiera de faire 2-3 jeux qu'on essaiera de faire, tu vois, du Evil Within, du truc comme ça. Mais sans dire de mots, ni de, enfin, de jours, ni d'heures, ni... Comme ça, ils savent que dans la semaine, en fait, il y aura ça, quoi. Ça, j'aime bien. Réduit le temps d'attente avant que la santé commence à te...
Non, c'est pas ça que je voulais vu tout à l'heure. Voilà ça. Vous pouvez parfois tirer des balles sans que votre stock de munitions diminue. On la laisse comme ça? J'aime bien. Ça te va? Il y a une tenue que tu veux mettre en particulier. Quick. Elle vous plaît, Lara, comme ça? Oui, ça me va. Et tu vois, ça fait 3 jours, j'ai pas touché mon ordinateur, que je suis souvent sur le... Bah oui. Ça fait du bien de décrocher un peu. T'es belle, madame. Tu vois? Oh. Ah, mais elle est trop stylée. J'aime beaucoup. T'es belle. Hop. Allez, du coup, on va la faire descendre. Youhou! Parce que j'ai plusieurs fois un jeu après partant. Ouais, bah oui. Milady, il y a un lapin. Ferme les yeux. Milady, c'est mon lapin. Je peux pas faire grand-chose pour l'instant. À toutes les unités, voilà nos ordres. Il n'aura pas fallu deux jours. Je te présente le lapin de la maison. J'ai passé 2 ans en Afghanistan. Constantin a quitté la prison. J'ai fait une émote d'une vraie photo du lapin. Un peu de ménage avant qu'il arrive. Oh. Et Milady, elle va avoir 5 ans, hein, mine de rien. C'était hallucinant. Un enfoiré avec une hache, avec 3 mecs armés devant lui. Rien que ça. Je sais pas comment ils ont réussi à en capturer un vivant. Mais c'est qui en fait ces gens? D'après l'équipe de recours. Ouais. Je vais voir ce que c'est. Reçu. Viens, va là-bas, toi. 1 minute, je vais voir ce que c'est. Ouais, vas-y. Il est où l'autre? Je l'ai pas vu. Je t'avais perdu! T'es mort? Ouais, t'es mort. Mais elle est trop belle comme ça, j'aime bien. Ah, y a des loups. Il me fait penser à Bramble à Boum. Mais franchement, ce jeu, tu vois, je l'ai découvert comme ça par hasard. Et j'ai été surprise de voir qu'il y ait autant de personnes dessus et c'est vraiment bien en fait. Il est trop bien comme jeu. Vraiment. C'est une très très bonne découverte. Un territoire ennemi. Oh, oh, oh. Il y en a d'autres qui arrivent. J'ai fait des coups. Ouais. Mais tu vois, moi je l'ai découvert via Seros. Parce que j'ai une notification où il disait que ce jeu était pire que Little Nightmare, qui est l'un de mes jeux préférés. Et du coup, je me suis dit, bah on va aller voir ça. Et au final, j'ai complètement accroché. Et tu vois, quand je disais, je l'ai fait en je sais plus combien de temps. C'est que j'ai fait 3 lives de 3-4 heures dessus. Après, comme tu vois, je suis pas sur son live à dire « Oh, ben je l'ai fait en live en tant que temps. » Quand je suis sur le live de quelqu'un, je suis sur le live de quelqu'un, je suis spectatrice, en fait. Je suis pas pour dire « Ah, moi aussi, je fais des lives. Cool !» Bah non, en fait. T'es spectateur chez quelqu'un. Faut rester à sa place. Ok, là-bas ils peuvent se voir. Des pièges tout le long du périmètre. Je peux installer quelques jolies surprises avec ça. Moi je suis beaucoup Monsieur Thibaut. Je sais pas si... Ah non, ça me dit rien du tout. Le mot Thibaut, ça me fait penser à l'autre dans Animal Crossing. Bonjour. Salut. Mais elle est trop belle tout en noir. Il a rien sur lui. C'est un homme japonais qui fait des trucs. Ah d'accord, je connais pas du tout.
ils sont tous partis dans leur coin. Ok. T'es mort ou t'es pas mort? Chaque fois j'ai un doute. J'ai l'impression qu'ils vont se relever. Ah attends, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'autre d'en haut. Arrête-toi. Ok. Merci ma belle, merci d'être passée, gros bisous et merci encore pour ton follow et à très très vite. Et je passerai voir. Enfin j'ai vu ton, tu lui as donné comme petit surnom Féfé, donc je vais l'appeler Féfé. Si je stream pas ce soir, je passerai voir Féfé ce soir pour l'encourager et tout ça. En tout cas ça m'a fait plaisir de te voir. Plein de bisous, bon courage à toi, amuse-toi bien. Mais plaisir partagé, ma belle. À très vite. Bisous. Moi, je vais pas tarder à arrêter. Bonjour. Il n'y a pas de... Oh, merde, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça que je veux une ampoule, une lampe, oh une ampoule, n'importe quoi, j'ai vraiment n'importe quoi ce temps-là, vraiment je dis n'importe quoi. Tu as des boulots illégaux et que ça ne te plaît pas, mais je pouvais pas refuser ce contrat. Ça fait des années que j'essaie de décrocher un job pour les Trinitaires. Ils sont discrets, paient bien et il y a toujours quelque chose à faire. Mais maintenant que je suis, je veux tout plaquer. Oh, tais-toi. Tais-toi. Ah, bonjour. Ah, mais bizarre. Les flèches. Oh. Une vieille plaque soviétique. Lénine a vécu. Lénine vit. Lénine vivra à jamais. Super. Je vais me voterai. Je continuerai peut-être ce soir celui-là ou comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Resident Evil. Allumez le feu, youhou! Mais j'ai envie de continuer à vous montrer, je vous avoue. J'ai hâte de le terminer.
tir de suppression. Bravo Nico pour les levels. On ne fait pas merde, toi. Rien que toi et moi. Ouais. Elle est trop stylée, Omar. Elle va mourir. Ils l'ont capturé. Enfermé. Il faut... Non, non, non. Après, en ce moment, c'est vrai que je fais pas des vidéos très très longues. Mais, vous inquiétez pas, ça va revenir. Les lives de 4-5 heures d'avant vont revenir. Comme vous le savez, en ce moment, j'ai vécu une période assez compliquée. En février, j'ai eu une panne internet. Je m'étais fait piquer mon réseau à 2 reprises par les voisins. J'ai eu le décès de ma grand-mère en février. J'ai vraiment un mal et tout. L'armée. Mais là, ça revient petit à petit le moral. Cela fait des... Tout revient à la normale petit à petit. Donc... T'as rien à me donner, toi ? Changer d'arme. Non, mais y'a pas besoin. Ok. Allez, let's go. Comment ça se présente? C'est sûr que je vais stopper cette fuite. Si j'y arrive pas, il va falloir qu'on tape le conduit jusqu'à ce qu'on ait remplacé la vanne. Ça va pas être facile de trouver une vanne de rechange ici. Je t'avais confié cette mission. Oui, monsieur. On s'attendait pas à autant de résistance. On se relève tu et on avance. Tu étais censé être mes yeux. Tu devais regarder pour moi. Est-ce que tu as bien conscience de l'enjeu de cette opération? Oui, mais... Non. Non. Je ne crois pas. Et Hogwarts Legacy, on le refera, on le fera. Mais là, tout à l'heure, j'avais vraiment pas envie, je vous avoue. Quand je regardais la cinématique, ça m'a fait chier. Donc... Parce que dans ma tête, je voulais jouer à Tomb Raider, donc... Donc du coup... D'ici peu, nous toucherons au but. Mais il faut que nous restions vigilants. Si nous y parvenons, un nouveau monde verra le jour. Un monde où nous serons les créateurs. Merci à ceux qui sont en l'air. Mon petit Gio, si tu m'entends, bon courage pour le boulot. On a un captif qui a l'air d'en savoir long sur l'artefact. Restez fidèles, et vous partagerez la gloire de la source divine. Oscar, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Que personne ne le touche. On a une nouvelle fuite de carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce truc a pris 50 ans. Je pense qu'on va attention. Là-haut, il n'y a personne. Ok, je vais aller en haut. Ok, je m'en occupe. Dès que lui, il va machiner là-bas. Faut maintenir ça en place. Je monte en haut. Comment tu fais levier? Merde. Mon raccord est bousillé. J'ai besoin d'un coup de main. Qu'est-ce que je peux faire? Il se met comment, lui? Ok. Ok, ils sont tous de dos. D'accord. On va finir par perdre tout notre putain de carburant. Alors, ça donne quoi? Allez, putain. Ok. Attention, il y a trop de pression. Vas-y doucement. Ce truc est complètement rouillé. Comment ça se présente?
Pas sûr que je puisse stopper cette fuite. Si j'y arrive pas, il va falloir qu'on torde le conduit jusqu'à ce qu'on ait remplacé la valve. C'était quoi ? Ça va pas être facile. Ça peut être un problème. T'es pas mort ? Viens regarder. Mais je suis nul, je tire à côté, putain. T'es mort ou t'es pas mort, toi ? Recharge ! Je subis le tir ! Je suis vraiment une nulle, hein. Oh, je suis dur. Je suis pas visé. Je suis nul. Mais attends, je suis arrivé là d'où? Il faut que je trouve un moyen de détruire ce réservoir. T'inquiète, tu fous dans la... J'ai fouillé tout le monde à part l'autre là. Que l'autre là-bas il bouge pas. Il reste à couvert lui là-bas. Eh mais attends. Voilà, il est mauvais. Oui. J'ai vu le bidon après. Oh. Encore de la propagande soviétique. La nuit ne nous empêchera pas de travailler. Je mettrai un sondage sur Discord après. Que voulez-vous ce soir ? Tomb Raider ? Ou ? Resident Evil 4. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Discord. Ainsi que les autres réseaux. Je suis désolée, pardon, excusez-moi. Afin de voter au sondage. Je suis désolée, par contre, c'est sorti tout seul. Ok, il y a un petit feu, on va s'arrêter. Oh.
de points de compétence. On va attendre qu'elle parle. Constantin, l'homme qui a tenté de m'éliminer en Syrie. Qui est dommage, c'est que si on se lève, en fait, son discours s'arrête. On peut pas le reprendre. C'est qu'il semble se consacrer corps et âme à ses croyances tordues. Apparemment, il a le chic pour se brouiller avec les fanatiques religieux. Mais j'imagine que ce lieu n'y est pas étranger. Qui d'autre se mettrait en quête du secret de la vie éternelle? Via la radio, ces hommes ont parlé d'un prisonnier détenant des informations. S'agit-il de l'un des habitants que j'ai rencontrés? Et que sait-il? Les Trinitaires ne seront pas tendres pour le découvrir. Je pourrais peut-être le retrouver, le questionner sur ce qu'il sait. Il pourrait être judicieux de gagner la confiance des natifs. Abattez les ennemis sans armure, on va mettre. Ok. Bon ben moi les amis, je vais marquer ici. Je vais, du moins pour le live, on le reprendra là. Mais en off, en fait, je vais aller refaire ce qu'on vient de faire et chercher tous les items, les trésors, tout ça. Il y a juste le tombeau, les tombeaux que je ne ferai pas. Comme ça, après, à la fin de l'histoire, si c'est des zones qu'on a déjà passées, on ira faire les tombeaux. Mais tout ce qui est babioles, reliques, documents, tout ça, je vais aller les chercher. Et avec vous, je ferai que les tombeaux et l'histoire, en fait. Voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir... J'arrive pas à parler, c'est tantôt, c'est ignoble. De m'avoir suivi. Merci encore, mon petit jeu, pour tu récepter adorable. Merci encore Osiris et Blood pour leur follow. Vous êtes des amours, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous de me soutenir et tout. Ça fait vraiment plaisir de savoir que ce qu'on fait, en fait, ça plaît. C'est cool. Je suis pas parfaite, mais j'essaie de m'améliorer chaque jour. Donc, je répète, sur Discord, vous avez une section avis sur le stream. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien, ce qui est amélioré, ou ce qui est complètement à bannir. Faut bannir la streameuse. Ok, au revoir. Je rigole. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et je vais mettre ça sur YouTube. Et sur YouTube, ben, vous aurez cette vidéo quand vous l'aurez qui va pop, en fait, elle aura été terminée il y a 10 minutes sur Twitch. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Chaîne Celiac. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et bon après-midi à vous. Bisous, à très vite.